Cela est vrai. C'est vrai. Ok, crois-tu aussi qu'un fils hérite des biens de son père? Hélène, je connais tout cela. Tu es intelligente, toi. Si tu connais tout ça, tu dois aussi connaître que toi et moi, nous n'avons pas de fils. Nous n'avons pas un garçon. Que veux-tu dire? Je ne te comprends pas. Tu vois? Je ne te comprends pas. C'est le problème que tu as. Garde tes yeux ouverts et ouvre grandement tes oreilles. Tu connaîtras tout ce qui se passe dans cette maison. Regarde, tu ne connais même pas de quoi je parle. Ne sais-tu pas que c'est parce que Adougo a un fils? C'est pour cette raison que notre mari passe toutes les nuits avec elle. Ne le sais-tu pas? Tu ris. Hélène, Adougo est la première femme. Et toi et moi, nous le savons très bien. Hein? Qu'est-ce que tu voulais me dire au juste? Qui pourra me faire perdre mon foyer? C'est même quoi au juste, non? Tu vois, c'est pour cette raison que tu es stupide. Et fouille Agatha. Tu es stupide comme le mouton. Parce qu'elle est la première femme. C'est pour cette raison que tu la sers comme une esclave. Parce que dans ta tête, tu es la troisième femme. Mais véritablement parlant, oh, tu es la troisième femme. Là, laisse-moi te dire quelque chose. Adougo a été épousée de la même façon que toi et moi avions été épousés. Awaya, la dot a été payée. Le mariage traditionnel, on n'a pas fait le tien. C'est la même procédure. Ne la laisse pas t'enseigner. Écoute, ok. Regarde notre tour de lit. Les jours qu'on doit passer avec notre mari. Est-ce qu'il reste avec toi durant ton temps? Adougo occupe tout son temps. Quand je suis avec notre mari, il va me dire, il a mal au dos. Son corps lui fait mal. Un homme qui ne se lève pas. C'est faible, même dès que j'essaie de le faire lever. C'est faible. Alors, ne leur donne pas d'espace. Ce sont des tactiques d'Adougo. Ne la laisse pas avoir le dessus sur toi. Alors, pourquoi vas-tu te sentir inférieur? Te rabaisser pour elle? Ce que tu dois faire, c'est prends courage et tiens-toi comme une épouse. Et arrête de leur servir comme si tu étais une esclave. Tu es une épouse. Même si tu es la troisième, tu es sa femme. Iwatago. Hélène. Comment tu veux que je fasse la guerre à une femme malade? Tu sais bien qu'Adougo est vraiment malade. Elle n'est pas malade. Elle est grasse. L'obésité, c'est ça son problème. Comme elle vous manipule là pour que vous ayez pitié d'elle. Non, bagarre avec elle. C'est un diable, bagarre avec elle. Tu fais là comme si tu ne voyais rien. Bagarre avec elle. Bagarre avec elle. C'est la seule façon de survivre dans un foyer polygamique. Tu bagarres, tu te défends pour avoir ton respect. Polygamie. Tu souffres, quelqu'un te montre, tu lui montres aussi. Elle est folle. Docteur, oh merci. Merci beaucoup. C'est bon, ça. Je n'ai pas encore totalement fini. Je voulais juste te donner une injection pour qu'elle garde la forme. Alors, docteur, vous disiez quelque chose. Oui, Jenny, les gens disent que je suis beau. Tu trouves que je suis beau? Tout le monde est beau. Ça dépend de comment chacun prend soin de lui. Voilà une réponse brillante. Tu as pu t'en fondre comme si, malgré la situation que tu vis. Combien de fois quand tout sera fini? Combien voudrais-tu que ce soit mieux pour paraître toujours bien? Alors, combien de temps cela va-t-il durer? Tu aimes les beaux garçons? Bien, bien sûr. Les beaux garçons, les belles filles. Toute belle personne est mon amie.
Docteur. Oui, docteur George, ne l'oublie pas. Oui, docteur George, toute belle personne est mon ami. Ça, c'est très bien. Et tel que tu parles, ça paraît comme... Que penses-tu si toi et moi, on se voyait ce soir chez moi pour que tu m'aides à la cuisine et un peu aussi dans la chambre et après ça, on discutera du cas de ta maman. Désolé, mais n'est-ce pas toi qui disais que tu pouvais tout faire pour sauver la vie de ta mère? Alors, tu vas me tuer parce que j'ai dit ça? Oh, non, non. Je suis pas si méchant que ça. Si je dois le faire, je... Bon, disons que le traitement de ta mère se trouve dans ma chambre. Et cela dépend juste de ton temps et non de ta vie. Es-tu en train de parler du sexe? Oh non, je n'appelle pas ça sexe. Après tout ça, ta mère vivra, n'oublie pas ça. Je suis désolée. Je ne suis pas intéressée. Ne joue pas à ça, ma chérie. Hein? Je lui ai donné des médicaments pour la tenir pendant un mois. Après ça, elle mourra. Bien, je ne t'ai jamais cru. Quand tu as dit que tous les docteurs ne sont pas docteurs jusqu'à maintenant. Le traitement ou alors ma proposition? Oui, j'aime les gars qui sont présentables. Mais pas quand ils jouent avec mes nerfs. Alors je te conseille, docteur, de garder ta beauté pour toi. Parce que pas même ma mère mourra ne peut jouer avec mes nerfs. Je suis désolée, je ne suis pas intéressée. Merci. Waouh! C'est la première fois qu'une fille me rejette. D'où lui vient ce foutu courage? On verra où ça finira. Le beau docteur Georges. Combien cela coûte de traiter un malade d'hypotension dans ton hôpital? Je veux savoir quoi d'autre? Quoi d'autre? Si ce n'est l'option de passer la nuit avec vous, quoi d'autre? Écoutez, docteur George. Ne pensez pas être le seul à avoir les médicaments dans ce pays. Vous devez être tellement cruel pour abuser de cette façon d'un don que Dieu vous a donné. Quelle est la dernière fois où vous avez traité quelqu'un d'une hypotension? Mais laissez-moi vous assurer ceci, elle ne va pas mourir. Ce qu'il faudra. Elle ne mourra pas. Je vous assure qu'elle ne mourra pas. Ma mère ne mourra pas. Elle vivra. Vivra. Elle vivra. Ma mère ne mourra pas. Ma mère ne mourra pas. Grand-mère, je suis prête à partir. S'il te plaît, couvre-moi, d'accord? Prends ceci. Je l'ai éteint et comme ça, personne ne pourra me gêner. Et dis-moi, grand-mère, comment est-ce que tu me trouves? Grand-mère, s'il te plaît, parle-moi, non. Comment tu me trouves?
Tu es jolie, ma fille. Merci beaucoup. Et si je te disais qu'il est l'un d'eux? Hein? C'est vrai? Je t'ai eu. S'il te plaît, grand-mère, couvre-moi. Ma petite fille. Hey, que Dieu te protège. Quand est-ce que tu vas finir avec ce que tu fais? C'est presque fini, mais pour toi, je vais d'abord arrêter. S'il te plaît, assieds-toi. Ce n'est pas important. Ma mère mourante est à la maison. Je crois que tu sais pourquoi d'ailleurs. Alors, s'il te plaît, rends cet instant bref. Parce que je dois partir cette nuit. Mais voyons, Antoine, tu as vraiment changé. Tu es vraiment très belle aujourd'hui. Docteur Georges, rends cet instant bref. D'accord, allons-y. Je suis derrière toi. Ma beauté, que puis-je t'offrir? S'il vous plaît, allons-en juste au fait. Vous savez que je dois partir cette nuit. D'accord, d'accord. Je peux te permettre de dire ou de faire ce que tu veux. Parce que t'es toute chaude là. Mais je peux pas te permettre de faire de moi un meurtrier. Parce que t'as envie de partir, n'est-ce pas? Mais si quelque chose t'arrivait, ce serait ma responsabilité. Je peux pas permettre que cela arrive. Alors si tu comptes prendre un bain, alors suis-moi. Mais voyons, beauté, tu peux quand même sourire un peu, non? Va donc à la cuisine, fais quelque chose à manger, j'ai vraiment très... Ce n'est pas pour ça que je suis venue ici-là. N'essaye pas de me donner les ordres parce que je ne suis pas ta femme. Je vois que tu as oublié que tout ce que je te demande de faire, tu dois le faire et tu dois le faire immédiatement. Parce que autant nous perdons du temps, et autant le temps s'en va aussi. Donc va à la cuisine. Je te déteste. Tant mieux. L'amour qu'a ma fiancée pour moi me suffit. La première porte à ta droite, c'est la cuisine. S'il te plaît, va et mets-toi au travail parce que j'ai vraiment très faim. Et en plus, le temps sera déjà. Cette tourtière est vraiment très délicieuse. Je savais pas que tu étais une très bonne cuisinière. Est-ce que peux utiliser ton téléphone? Mon téléphone? Bon, bien sûr. Allô? Allô? Allô, grand-mère, c'est Jennifer. Jennifer,
Que s'est-il passé? Je n'ai pas dormi à cause de toi. Oh, je suis vraiment désolée, grand-mère. Je suis désolée. Je vais rentrer à la première heure demain matin, ok? Alors, qu'est-ce que tu leur as dit? Moi, au fond, en tout cas, je leur ai dit que tu es allé rendre visite à une amie et que tu vas dormir là-bas parce qu'elle ne se sent pas bien. Oh, merci beaucoup, grand-mère. Je te remercie vraiment. Prends soin de toi. Ça va, ma fille. Je pense que je dois aller me coucher maintenant. Bye. Ok, bye bye. Je vois que tu as pris ta caméra. Laisse-moi profiter de cette bouffe, elle est très bonne. Mifa, écoute, j'ai 3 chambres vides là, dans cette maison. Alors, choisis une chambre parmi où tu pourras te coucher. Bonne nuit. Qu'en est-il de ma mère? Ne t'inquiète pas. Je ne fais pas ce genre de choses. Je t'ai juste invité pour que tu viennes chez moi parce que je suis un garçon. Tu sais, j'aurais pu profiter de ça, même malgré ta volonté. Amène juste ta mère demain à l'hôpital dans l'après-midi. Je vais m'occuper d'elle. Bonne nuit. Tu as fini d'arranger la voiture? Ok, je vais t'envoyer mon chauffeur pour qu'il vienne la récupérer là-bas. Ouais. D'accord. Bonjour, docteur. Hey, Jenny. Bonjour. Vous êtes déjà prêt pour aller au travail? Ah, oui, je suis déjà prêt pour le travail. Mais on va quitter même dans une heure. D'accord. J'ai faim. Peux-tu aller dans la cuisine faire quelque chose pour qu'on puisse. Bien sûr, docteur. Ça sera un plaisir. Ça sera un plaisir. Ah, merci. Ah ah! Qu'est-ce qui est arrivé à ma petite fille? Hein? Elle a dit qu'elle venait très tôt le matin. Bonjour, grand-mère. Tu es là? J'essayais de t'appeler, mais ça ne passe pas. Bienvenue. Comment ça s'est passé? Rien ne s'est passé. Hein? Oui, grand-mère. Il a dit qu'il allait le faire. Que c'était juste pour me tester. Hein? Oui, grand-mère. Et grand-mère, c'est vraiment une très bonne personne. Dieu merci, oh. Dieu merci. Et au sujet de ta mère, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que je peux l'amener aujourd'hui. Mais moi, je suis très fatiguée. Je ne peux pas aller là-bas aujourd'hui. Quoi?
grand-mère. Il est vraiment riche. Ok. Ok. Je vais aller me reposer. Je suis très fatiguée, grand-mère. Ok. Merci. Je t'aime beaucoup, grand-mère. Je t'aime aussi, ma fille. Ma petite fille à moi. Papa, grand-mère, vous savez que jusqu'à présent, maman ne connaît toujours pas de quoi elle souffre. Oui, mon fils, ça c'est vrai. La semaine dernière, le médecin m'a dit qu'il lui restait seulement 2 semaines à vivre. Et quand je fais très bien les calculs, il lui reste seulement 4 jours à vivre. Mais c'est juste hier que Dieu a répondu à nos prières. Hein? Oui, grand-mère. Le docteur a le remède. Oh mon Dieu! Tu es sûre de ce que tu dis? De quel traitement s'agit-il? À quel hôpital et ça coûte combien? Papa, je ne connais pas quel est le remède. Mais en ce qui concerne l'aspect financier, il a dit qu'il avait juste besoin d'un grand merci de notre part. Donc, tu veux dire que tu as pris l'initiative de gérer ça toute seule? Oui, papa. Viens là, ma chérie. Je suis très fière de toi. Viens. Merci, papa. Oh. Donc, tu t'es vraiment engagé à trouver quelque chose, une guérison entièrement pour ta mère. Oh, je suis très content. Très merci, papa. Je suis vraiment très fière. Oh. Je vous ai compris, jeune homme. Mais je dois donner à votre mère les résultats de mes recherches. Donc, s'il vous plaît, excusez-nous. S'il vous plaît, docteur, accordez une attention particulière à ma mère. Je ferai ça. Ok, maman, je dois partir. Prends soin de toi, d'accord? D'accord, chérie. Ok, merci. Au revoir. D'accord, mon cher. Bien, madame, à ma connaissance, jusqu'à ce moment, vous n'avez aucune idée de votre réelle souffrance? Non, docteur, je ne connais pas. Madame, vous êtes une femme très heureuse et très simple. Vous ne vous engagez pas dans des choses qui vous rendront pas heureuse. Et cela vous affecte. Je ne comprends pas de quoi est-ce que vous êtes en train de parler. Madame, je m'attends à ce que vous sachiez. En fait, la vérité, c'est que vous êtes vraiment souffrante. Eh bien, maintenant, qu'est-ce que vous voyez? 32-42. Bien. Pour une personne normale, ça doit être 80. Et ce que nous avons là, c'est 50. Cela voudrait dire que vous souffrez d'une hypotension artérielle. Comment ça? Quoi? Puis-je avoir ça? Oui, docteur. Bien, madame. Nous avons là les tests des examens que vous avez faits dans l'autre hôpital. Et c'est marqué ici. Ce qui signifie que vous souffrez d'une hypotension artérielle. Mais, docteur, je ne comprends pas. De quoi est-ce que vous êtes en train de parler? Vous voyez, madame, selon mes propres résultats. Vous avez une hypotension artérielle, ce qui signifie... Madame, vous n'avez plus que 3 jours à vivre. C'est rien. Docteur, à Dieu ne plaise, ce n'est pas ma portion. Amen. Nous avons juste une seule solution pour résoudre ce problème. Laquelle? Madame, vous devez vous mettre à la violence. C'est la seule solution. Ou alors vous allez mourir et laisser vos enfants tout seuls dans la souffrance. Ah, tu ne plaises. Ah, tu ne plaises. C'est tout, madame.
Vous souffrez de l'hypotension artérielle. Madame, ce type de tension artérielle, c'est vraiment sérieux. J'ai peur qu'il ne vous reste plus que 3 jours pour vivre. Nous n'avons qu'une seule solution pour ce problème. Madame, vous devez devenir violente. C'est la seule solution. Ou alors, vous allez mourir et laisser vos enfants tout seuls dans la souffrance. Maman? Maman, tu m'as giflé. Désolée. J'étais dans un rêve. Oh mon Maman, Dieu. Chris, je suis Chris, vraiment désolée. Maman, désolée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as la main sur la joue? Je l'ai giflé. J'ai cru que j'étais en train de rêver. Jennifer, qu'est-ce que t'amuses? Je suis juste en train de rire. Alors qu'est-ce qui est amusant là? Stupide fille comme ça. Pourquoi est-ce que tu ris? Oui, c'est ça. Tu rêves et tu tapes juste. Ah maman, tu es vraiment très amusante. Jennifer, maman, je ne trouve pas les clés de ma voiture. Ah, maman, elle est en train de l'utiliser, non? Va récupérer ça chez elle maintenant et dis-lui que je vais sortir et que j'en ai besoin. D'accord, maman. Je t'attends à l'extérieur. C'est quelle histoire, ça? Bon après-midi. Ma mère a dit que tu devrais me donner les clés de la voiture. Les clés de la voiture? Comme tu peux voir, je suis prête à sortir. Va lui dire que je vais utiliser la voiture. Mais c'est la voiture de ma mère. La voiture de notre mari. Va lui dire que je vais utiliser la voiture, c'est final. S'il te plaît, excuse-moi. Petite fille insensée. Donne-moi les clés de ma voiture. Quelle clé? Remets-moi les clés de ma voiture. La voiture que mon mari a achetée pour moi. Oh! Notre mari a acheté cette voiture. Je m'en fous de savoir pour qui il a acheté cette voiture. Je veux sortir pour aller prendre les enfants. Les enfants sortent à 14h et là il n'est que 11h. Pourrais-je avoir les clés? Ou tu n'as pas de monde dans ton appartement? Remets-moi les clés! Waouh! La personne qui te coach, t'as un grand job. Maintenant, donne-moi les clés. Donne-moi ces putains de clés. Il n'a pas là. Vous allez m'esquiver dans cette maison comme un serpent. Sinon, je vais te battre et je t'enverrai en enfer. Il n'a pas là. Ou je te veux. Dieu, qu'est-ce que c'était ça? Madame, je t'ai vu debout là comme un poulet qui ne sait comment c'est arrivé au stade. J'ai entendu, il a poire. Quoi? Va-t'en. Où veux-tu que je parle comme elle? Il a poire là. Va-t'en, c'est un poisson. Va-t'en. Tu as vu ton égal ici, tu n'as même pas pu bagarrer. Maintenant que tu me vois, tu dis, il a poire. Il a poire. Alors tu vois, cette nuit, elle est rentrée avec une bosse. Et ce n'est pas tout. Il faut moi rentrer de l'école. Elle est venue leur signaler Jennifer. Comment le professeur l'a fouetté. Elle a dit comment le professeur peut la fouetter à l'école. Immédiatement, Ekosso est allée à l'école pour questionner son professeur. T'es sérieuse? Hey! Je suis sûre qu'il y a un motif sérieux derrière ça. Parce que tu ne peux pas me dire qu'on a retourné un bon samaritain en rien de temps. On m'aurait. Il y a quelque chose. Bien. Comme tu dis, je ne vois pas de motif caché derrière ça. Tu ne vas jamais rien voir. Tu sais, je l'ai dit avant. Et maintenant, je me répète.
très bientôt, nous allons voir la face derrière le masque. Il y a quelque chose derrière ce game. Reste loin de cette femme. Oh. Tu sais que cette femme, c'est une sorcière. Et une sorcière ne peut pas enfanter quelque chose de différent. Hey! Reste loin d'eau, sinon ils vont empoisonner tes enfants. Oh. Au moins, Lilian, ce sont des mauvaises personnes. Tchai! Je te l'ai vu. Ok, ça va, je t'ai écouté. Je te l'ai vu. Merci pour tes conseils. Toujours. Donc, tu peux partir maintenant. Rentre dans tes appartements. Tu veux dire que je... Rentre dans tes appartements. Je t'ai écouté. Ah, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Je n'ai jamais dit que tu as fait quelque chose de mal. Alors, pourquoi parles-tu comme ça? Est-ce que j'ai dit que tu as fait quelque chose de mal? J'ai juste dit que tu rentres dans tes appartements. J'ai dit ma part, oh. Je ne compte pas sur toi, oh. Même si j'entends quoi, je ne viens plus que d'une. Un peu mon business. C'est même qui ça? Elle ose me donner des mauvais conseils. Tu veux que je commence à détester la première femme? Pourquoi? Moi, je ne vois pas ce qui ne va pas. Qu'est-ce que je vois là? Ça n'est pas le piment. Ça coûte combien? 39 là pour ça. C'est comme ça qu'on vend. Ah non. Si ta cliente non, vends-moi ça à 10 naira et en plus même pour moi un pas comme nous. Bah, donc 20 naira et je fais ça parce que tu es ma cliente. Pardon, ne me fais pas ça. J'ai 10 naira pour ça. 20 naira et tu deviens ma meilleure cliente. Ok. Et combien tu vends ta tomate? 100 naira pour cette tomate ci. 100 naira. Partout c'est 100 naira. C'est comme ça qu'on vend. Ok, oh, j'ai 40 naira pour ça. Tiens, prends 40 naira pour moi. Non. Regarde, ce n'est même pas dur. Regarde. Pardon. Ne casse pas mes tomates. Si tu ne veux pas acheter ma tomate, tu pars. C'est quoi que tu vas acheter la tomate à 30 naira? N'ouvre plus jamais ta bouche pour m'insulter. Tu es normal. Qu'est-ce qui t'arrive même? Donc, c'est à cause de cette tomate verte que tu m'insultes. Ça ne va pas. Si tu parles encore. Tu vas écraser toutes ces tomates, je veux voir ce que tu vas me faire. Hey, ma marchandise, tu vas l'écraser. Tu dois être folle. Donc, tu oses m'insulter? Tu oses me dire que je suis folle? Maintenant, je peux voir que tu es vraiment folle. Si tu ne quittes pas devant ma marchandise, maintenant, je vais te montrer quelque chose. Ok. Hey. Viens me montrer. Alors, tu as fait ma marchandise. Viens ici, viens. Laisse-moi. Maman. Hey. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, c'est beaucoup. Donc tu étais sérieuse. Et tu lui permettais d'utiliser ça pendant tout ce temps. Écoute, souviens-toi, il ne te reste plus que 3 jours. Maman, tu dois faire plus que ce que tu as fait aujourd'hui. Sois plus agressive. Comme quoi? Maman, sois méchante. Juste sois méchante, d'accord? Hey! Elle nous a dit que c'était une salle de jeu ici. Hein? Maman, tu ne t'amuses pas avec elle. Hey, les blagues sont finies dans cette maison. Sois rapide. Je vais revenir plus d'une fois, hein. Si ta marchandise est vraiment bonne, tu comprends. Si elle est bonne, je reviens. Ok, je t'assure. Merci beaucoup. Maman, allons-y. Je préfère les tomates. Moi, pour moi, c'est cette chose. Combien ça coûte? Ah, c'est un peu le prix. J'aime le prix. Merci. Le tapioca. Tu vois qu'on est tapioca à la maison? Allez, voilà, allez,
Hey, madame, je suis désolée. Je suis désolée, madame, s'il te plaît. C'est une erreur. Je suis désolée, s'il te plaît. Madame, désolée. S'il te plaît, madame. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Madame, désolée. Oh. Désolée pourquoi? Hein? Est-ce que tu as vu ce que tu as causé? Est-ce que ton désolé va arranger mes choses? C'est un accident, non? Ma mère s'est même excusée. Tu n'as pas le droit de lui parler comme ça. Qui es-tu? Et d'où viens-tu? Hein? Elle ne veut que te dire désolée. C'est quand tu n'as pas donné la désolée là. S'il te plaît, vendeuse, je te dis que j'étais désolée, s'il te plaît. Moi, j'accepte. Je suis vendeuse de poissons. Toi, tu es une consommatrice de poissons. Hey, c'est ma mère que tu es sonnante comme ça, hein? Et tu n'as aucun respect. Ton enfant. Et tu n'as pas le droit de me parler de la sorte. Et même si je te parle ainsi, tu feras quoi? Qu'est-ce que j'ai toi? Hein? Qu'est-ce que je vais faire? Tu vas te dire. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi ça? C'est même pas ton problème. Elle ne veut que te dire désolée. Tu ne veux pas écouter. N'importe quoi. Je te connais. Je te connais. Ne t'inquiète pas. Je reviendrai pour toi. Tu venais chez moi l'autre jour, mais tu n'es pas venue. Oné, pardonne-moi, non. J'étais en train de bosser. Tu as toujours les excuses à donner. Ouais, hey, Oné. Tiens. Regarde un peu là-bas. C'est la femme qui bacara au marché. Hé, hey, mon Dieu. Femme sans honte, toujours en train de bagarrer au marché. Mais tu t'imagines, hey. Et son mari à la maison. Je ne sais pas. Demande. Hé, hey, excusez-moi. C'est de moi que vous êtes en train de parler ou de votre mère. Ah, non, bien sûr que ça doit vous s'adresse. Femme honteuse qui bagarre au marché. Je veux tout voir sur la tête. Regardez-moi ces idiotes. Dès que vous allez arriver à la maison, allez dire à vos mères que je vous ai battu. Comme ça. C'est un méchant d'enfant. M'a élevé comme ça. Tais-tu. Venez ici. Alors, tu es déjà là. Je te croyais encore dehors. Ma soeur, bonsoir et bienvenue. Sylva, tu sais que... S'il te plaît, je ne m'appelle pas Sylva. Je m'appelle Sylvaline. Ne confonds pas, je m'appelle Sylvaline et non Sylva. C'est parce que tu ne connais pas le français. Si c'était le cas, tu devais savoir que Sylva est le diminutif de ton nom. Hey! Hey! Adjugo, ou je ne sais comment on t'appelle, n'ose plus jamais m'insulter comme tu viens de le faire. J'espère que tu m'as compris. Regardez-moi, cette fille du village me parlait à moi. Hey! Calme-toi, attends. Par quel nom est-ce que ta mère t'appelait? Ah, s'il te plaît, ne prononce plus jamais le nom de ma mère. Hey, c'est à moi que tu parles de cette manière. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu vas faire? Oui, c'est à toi que je m'agresse. Oui, tu vas faire quoi? Il n'a pas là. Si tu continues, je vais te déprimer comme le poulet. Va-t'en maintenant. Tu as le courage de me parler ici. Il n'a pas là. Ne mentionne plus jamais au nom de ma mère. Si je le fais, il peut quoi? Tu vois comme ça m'a content passé? Tu vois comme ça m'a content passé? Tu vois comme ça m'a content passé? Maman! Iyamere. Chai. Hey. Désolé. Ne me touche pas. C'est quoi ton problème? Tu vois, je t'ai toujours dit. Je t'ai toujours dit, mais tu vas me dire que... Pourquoi? Va-t'en. Regarde maintenant. Ouzawa la gagne. Regarde comment tes joues ont gonflé. Désolé. Désolée, regarde comment ça a gonflé. Regarde. Ne me touche pas. C'est même quoi avec toi? Désolée. Tu vois, Ouzawa Langanya, si tu m'avais écouté, Ogu. Tu as fini maintenant. Oh. Je dis, hein, tu as fini. Oya, dehors. Hein? Pas une jotte comme ça. À part ton bavardage, tu ne sais rien faire d'autre. Tu ne peux pas fermer ta bouche là pour un moment. Hein? Tu vois, je peux voir que tu n'aimes pas ma bonne humeur. Je suis de bonne humeur. Nama Fokanaya, tu ne peux pas changer ça. Hmm? La prochaine fois que je vais t'avertir, tu vas m'écouter. Avant qu'elle ne t'enlève tes deux yeux là-haut.
Et cou, un sous-sou. Tu es stupide. Et wo, tu es assise sur ma chaise. Hey, s'il te plaît, lève-toi, lève-toi. Je suis de bonne humeur. Laisse-moi. C'est quoi ton problème, non? Hein? Dieu, on t'a envoyé. Mon mari a acheté cette chaise pour moi. Et puis quoi encore? Il n'a pas acheté ça pour toi. Donne-moi ma chaise. Je ne te donne pas. C'est ma chaise. C'est ma chaise. Oh. C'est là que j'étais assise. Prendre ta part. Hein? Mon mari a acheté ma chaise pour moi. Oh, il n'a rien acheté pour toi. Quand t'as 100 chaises là. Non, avec le bavardage que tu aimes. Oh, regarde-toi. Je n'ai pas besoin de ta paix. Une femme inutile comme ça. Elle vient m'insulter. N'est que dans le bavardage qu'on te connaît. Je vais pas mettre là. N'oublie pas de nous acheter quelque chose. Oui, je vais même t'acheter quelque chose de spécial. Tu sais ce que je vais t'acheter à toi? Dis-le-moi. Tu veux que je te dise? Pardon, non. Je vais t'acheter le bon kimono, tu vois, non? Avec les chaussures de boxe, avec les gants. Ainsi, tu pourras bien bagarrer. Hein? Ma chérie coco boxeuse. Oh, je t'ai eu. Salut, monsieur. Oui? Je dis, qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites ici? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Monsieur, ta femme ici présente, Sylvaline, m'a tapé au marché l'autre jour. Oui, monsieur, votre femme, Adougo, c'est elle qui m'a fait ça. Adougo, ma femme, c'est elle qui vous a fait ça? Comment est-ce que c'est arrivé? Comment? Expliquez-moi. Oui, hier au marché, quand elle est venue acheter les choses. Oh, s'il vous plaît, ne perdez même pas votre temps à m'expliquer quoi que ce soit. Laissez-moi résoudre ça, d'accord? S'il vous plaît. Il vient même pleurer ici. Prochainement, elle vous casse en deux, vous allez voir. Tu ne feras rien. Vous on va voir ça. Attends, moi, tu vois ce que je veux dire. Madame, s'il vous plaît, désolé. S'il vous plaît. Je suis sur le point comme ça de voyager. Donc, s'il vous plaît, essayez de vous acheter des médicaments. Essayez de vous soigner, merci, d'accord monsieur. Je suis désolé, ok madame, s'il vous plaît, battez-vous avec ça, d'accord. Merci, monsieur. Désolé, s'il vous plaît. Je suis sur le point de voyager, ok. Je suis désolé, s'il vous plaît. Oh, yeah. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Sortez. Allez-vous-en. Regarde-la. Oh Dieu, aide-moi. Ça, c'est même quoi ça? Hein? Qu'elle revienne encore ici? Venez encore vous plaindre, je me marie un jour. Qui ça? Je suis vraiment étonnée qu'elle vienne se plaindre jusqu'ici à la maison. Et vont voir ce que je vais faire. Idiote comme ça. Quand je vois encore vos pieds ici, des gens inutiles comme ça, elles viennent m'insulter. Tu vois pourquoi tu as besoin des gants de boxe? Tu vois pourquoi tu as besoin de ça? Voilà. Donc c'est tout ce que tu as dit? Hein? Donc c'est tout ce que tu couvres à dire? Va acheter, oh! Va acheter des gants de boxe! Dépêche-toi, je t'attends! N'importe quoi! Quand je vois encore ton pied ici, t'inquiète, prochainement quand j'irai au marché, je vais te battre, quand tu vas regarder pourquoi tu es né, idiote. C'est ce que nous voulons. Si vous devenez hystérique, ça ira mieux pour vous. Docteur, vous savez, avec tout cela, deux fois, il n'y a pas de problème. Alors, allez vers les problèmes. Ne les laissez pas enfuir. Pardon? Écoutez, n'oubliez pas, ne laissez à personne connaître votre état. Bien sûr que non. Bien, ça c'est bien. Alors, je devrais aller vers les problèmes, docteur, s'il te plaît. Ok, alors, merci beaucoup, docteur. De rien, madame. C'est un plaisir. Ok, mes salutations à Jennifer. Je le lui dirai. Merci. Je dis, hein, où est-ce que tu penses aller? Tu es en queue d'aller où? Quel est ce genre de question? Es-tu stupide? Ne sais-tu pas que c'est mon tour de rester avec notre mari? Tu es folle. Quelle insulte. Hélène, nous sommes quel jour aujourd'hui? Est-ce que je suis ton enseignante? Est-ce ma faute si tu n'as pas fréquenté? Je dis, nous sommes quel jour aujourd'hui? Je te pose c'est une quoi? Question, est-ce que réponds-moi. Ton enseignante? Quelle est cette question stupide? Ok, laisse-moi te dire, comme tu as déjà oublié, tes jours ne sont pas supposés être le mercredi et le jeudi. Aujourd'hui, c'est mon jour. Mes jours sont le vendredi et le samedi. Donc je veux te voir dehors. Est-ce que tu m'as écouté? Est-ce que tu sais que tu es très stupide? Est-ce que tu
oublié que la dernière fois que je devais dormir avec notre mari, il a voyagé le matin. Je veux compenser ce jour. Ma chérie, cela n'est pas mon affaire. La magie. D'accord. Ça me regarde en quoi? Laisse-moi te dire, Hélène. Là n'est pas mon problème si ton jour est passé. Et si je m'aperçois qu'il y a quelqu'un là-bas à l'intérieur, surtout toi là, honnêtement, Hélène, je vais te battre, on va pas te dire. Qu'est-ce que cela signifie tout ça? Il est juste 17h et toutes les deux devez vous entendre qui va dormir avec notre mari. D'où viens-tu? Vous êtes en train d'interrompre la réunion avec mon mari. Ah, Diogo, cette réunion n'est pas supposée être la tienne, mais la mienne. C'est parce que tu ne connais pas l'importance de cette réunion. Tu es une méchante femme. Tu mérites même la mort. Je te préviens, tu vas mourir. Une issue comme ça. La porte est ouverte. Honnêtement, je te déteste. Je te déteste. Vous voyez, je ne sais pas quand est-ce qu'on commencera à vivre dans cette maison comme une famille indivisible. Chaque jour, 10 problèmes. C'est devenu pire au point où même mon portier sait déjà qu'il y a une sérieuse mésentente entre vous trois là, toi. Je suis maintenant sujet de moquerie là dehors. Si vous trois, comme vous êtes là, êtes mes épouses, ce que vous êtes supposé faire, c'est de construire sur cette fondation, cette solide fondation que j'ai posée pour vous, et non de détruire ce pourquoi j'ai souffert depuis tout ce temps. Chaque jour, un problème après l'autre. Comme ce qui s'est passé aujourd'hui là, toi, Séverine, qu'est-ce qui s'est passé? Mon mari, personne ne veut que tu meurs. Je ne veux pas que tu meurs. Une comme moi, je ne veux pas rester veuve maintenant. Mais honnêtement, tu en es la cause du problème qu'il y a aujourd'hui. Le problème d'aujourd'hui là, tu en es la cause. Tu dis que je suis la cause du problème d'aujourd'hui. Oui. Tu peux m'expliquer comment je deviens la cause de ce problème? Tu veux savoir? Tu veux que je te le dise? Ok. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Nous sommes supposés être ensemble. Mais tu t'en fous. Tu es un tricheur. C'est ce que tu es. J'ai triché? Oui. Que veux-tu dire par j'ai triché, Silverie? Notre mari. Tu vois le problème dans cette maison, c'est ta précieuse femme Adogo. Hein? Tu vois ta précieuse femme, elle est soudainement devenue une tigresse. Elle bagarre avec n'importe qui qu'elle voit. Ça me fait pitié. Elle est même allée bagarrer au marché. C'est elle qui a apporté tous ces problèmes dans cette famille. Si je m'en demande de lui, ta précieuse femme Adogo, pas moi, Helen, parce que j'aime la paix. Bien, laissez-moi vous dire ça. On ne peut pas continuer d'aller comme ça dans cette famille. Au point où même le portier se moque de moi, la tête de cette famille. Il faut que ça s'arrête. Parce que si ça continue et que je meurs, vous deviendrez toutes des veuves. Vivons en paix, s'il vous plaît. Je suis un homme pacifique. Et je veux que nous vivions en paix. Je ne veux plus entendre parler de ce problème. Je ne veux plus que ça se répète dans cette famille. Tu as raison. Hey! My eyes don't see my ear. Now, wow! You hear them, eh? Kata kata don't bump pikino. Papa? Qu'est-ce qui te dérange? Je t'observe depuis un moment. Mon fils, comment est-ce que je ne serais pas dérangé? Regarde-moi.
Regarde tous les problèmes que j'ai attirés sur moi en épousant 3 femmes. Comment ne pas être dérangé? Mais c'est ça le problème, papa. Hein? Tu devais bien réfléchir avant de choisir prendre plusieurs femmes. Tout ça, c'est de ta faute, papa. Bien, tout est ma faute, mais mon fils, tu pourrais ne pas me comprendre. Ok, regarde, je vais te dire quelque chose, mon fils. Lorsque tu seras prêt à te marier, ne prends pas plus d'une femme. Une, c'est déjà un problème, n'en parlons pas de deux. Ou de 3 comme j'en ai. Ok. Ok, papa. C'est une bonne leçon que tu devrais apprendre. Madame, vous vous améliorez de plus en plus. Vraiment? Je le confesse, vous faites un bon travail. Merci beaucoup, docteur. De rien, madame. Vous avez retrouvé votre élocution. C'est quoi votre secret? Docteur, j'ai réglé le problème de plusieurs personnes. Vous êtes sérieuse? Oui, docteur. Y a-t-il des survivants? Oh oui, ils ont survécu. Et je suis prête pour eux. C'est bien, c'est bien. Ok, c'est bon, madame. C'est bon pour l'instant. Et pour la semaine prochaine, rassurez-vous, n'abandonnez pas. Abandonner? Je ne suis pas prête pour abandonner. Je suis prête pour eux. Merci beaucoup, docteur. Jennifer! Jennifer! Oui, maman? Oh, si, maman. Va m'appeler Innocent. D'accord, maman. Madame, bloque tous les portails et apporte-moi les clés. Fais-le maintenant. Madame, si je... J'ai dit, fais-le immédiatement. Va fermer tous les portails et apporte-moi les clés. Peu importe qui veut sortir, dis-lui de venir me demander les clés. Fais-le immédiatement. À vos ordres, madame. Maman, qu'est-ce qui se passe? Regarde-moi juste. Hey! Hey! On ne s'amuse plus ici. Ordre de maman. Donc la femme suivait déjà m'arracher mon travail. Hein? Comment madame peut me demander de fermer le portail et de lui donner la clé? Hein? C'est même quel genre de guerre civile et de guerre rebelle qui se passe même dans cette maison. Et je suis toujours le chef d'état. Comment une femme peut me demander de prendre la clé, fermer le portail et aller lui donner la clé là? Guerre civile, guerre des rebelles. Je vais résoudre ce problème. Madame. Merci. Si n'importe qui veut sortir, dis à cette personne de venir me demander les clés. Ne t'inquiète pas, je suis là. Oui, madame. Repose-toi pour aujourd'hui. Ok. Madame, c'est pour ça que je t'apprécie. Que Dieu te bénisse. Merci pour le férié chômage. Innocent! Hey. Innocent! Va lui répondre. Madame! Maman, cette fois-ci, tu es vraiment engagée. Et ce n'est que le début. Tu sais que tu es vraiment stupide. Merci, madame. Pourquoi tu as quitté ton poste? Madame. La raison pour laquelle je ne suis pas dans mon bureau, c'est qu'on m'a donné un férié chômage. Je suis en train de partir. C'est madame qui a demandé que je parte. Tu es un fou. Affaire de famille. Pourquoi tu n'as pas ouvert le portail? Où sont les clés? La raison... je ne sais pas pourquoi. Quoi? Pourquoi tu me demandes pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, va me chercher les clés, je suis prête. Tu vas aller chercher ça toi-même. Je dis, va me chercher les clés. Tes yeux, ça me dit où? Apollo 12, j'arrive. Stupide idiot comme ça. Ah, je dis, qu'est-ce que je n'ai pas encore vu dans cette maison? Hein? Comment peux-tu fermer le portail et prendre les clés? Maman, tu veux? Maman, hey, même tes poches sont sorties. Il n'y a plus moyen de s'amuser dans cette maison. Tu ne blagues pas dans cette maison.
Madame. Ça pèse dans ma bouche. Quel est le problème? Madame. Ta coéposette, Madame Silverine, ta coéposette a demandé que je vienne récupérer la clé. Toutes les clés là. Es-tu stupide? Affaire familiale. Ina, voilà. Toute ma famille comme ça. J'ai dit, va lui dire de venir me demander les clés. Qu'elle vienne me demander les clés elle-même. Es-tu stupide ou quoi? Pas non. Pas. Dégage d'ici. Ok. Stupide. Hey. Qu'elle vienne elle-même me demander les clés. Hey, maman. Hey! Maintenant, donne-moi les clés. Madame, c'est comment? Tu veux me saluer? Hein? Comment tu tends la main, tu dis donne-moi les clés? Les clés sont là-bas avec la personne qui a ça. Va prendre toi-même. Si tu veux me saluer, oh, viens avec ta main. Viens, moi je vais te saluer. Ne me fais pas ça! À 12! Hey! Adougo! Les vrais problèmes vont commencer maintenant. Adougo! Oya! Donne-moi les clés. Je t'en prie. Tu ne peux pas saluer. Tu n'as pas de respect. Toi, tu le fais. Tu me respectes. Oya, donne-moi les clés. Tu dois sortir. Ou quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Il n'a pas là. J'ai dit ou quoi? Il n'a pas là. Hein? Tiens ça! Maintenant, si tu es prête, tu t'attends. N'importe quoi, elle me prend mon bouquet. On va voir ça, idiote. C'est bien fait pour toi. Tu vas venir voir. Hey, je l'attends aussi. C'est ça même. Hein? Adoug. Ok, je vois que tu es prête pour la bagarre. Prends ta position. Prends ta position, je t'attends. Prends ta position. Adoug, tu ne savais pas. Tu n'as encore rien vu. Qu'est-ce que tu dis? Tu fais ça dur. Tes habits sont d'ailleurs en queue de boulet. Mais quoi? Va toi-même vérifier. Jennifer, allons voir. Quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? J'ai dit c'est quoi ça? Comme quoi? Qu'est-ce qui brûle? Maman, je t'abasse là! Je vais te dans ce feu! Laisse là, maman! Viens ici! Laisse la cible! Je brûle mes habits! Laisse la cible! Je brûle mes habits! Mais non, je t'abasse là! Je vais te montrer! Qu'est-ce qui se passe ici? Non, t'as mon cœur! Qu'est-ce qui se passe? Tu vois ce qui est en train de brûler là? C'est elle qui l'a brûlé et c'est mon nouveau pagne! Oh! Les nouveaux vêtements que j'étais acheté. Oh que si. J'ai bien fait pour toi. Silverine. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Tu me le demandes. Tu veux savoir pourquoi je l'ai fait? Bien, si tu veux le savoir, tu n'as qu'à lui demander. Demande-lui, c'est ta femme préférée, non? Si tu veux, demande à tes enfants. Ils vont pas mentir à propos de leur mère. Toi. Ne t'inquiète pas. Je veux pas les choses. Je veux faire moi-même. Je te promets. Regarde mon panne. Méchante. Jennifer. Mon nouveau panne. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas cette femme. Elle a énervé ma mère et ma mère l'a mise à sa place. Voilà pourquoi elle est allée à l'intérieur. Elle a pris son habit pour venir brûler. Adougo, tu me déçois énormément. Toi, ma première femme, toi qui devrais montrer le bon exemple, tu ne devrais pas bagarrer. Je suis complètement déçu.
et innocent. Monsieur, ça te plaisait bien de voir la bagarre, non? Non, moi je faisais le reportage. Tu sais que ta première femme, si elle prétend comme si elle n'était pas forte, la force que ta première femme... Tu vas te taire? Elle est comme une malade droguée. Si elle te cogne seulement comme ça... De toutes les façons, innocent. Monsieur, la prochaine fois que tu les vois bagarrer, appelle la police. Aura, s'il te plaît. Quel grade? J'appelle quoi? Un inspecteur, un caporal ou un simple soldat? Tu es un idiot. Donc c'est tout ce que tu couvres à dire. C'est tout ce que tu as dit, hein? Ça va. Et tu vois, j'ai appelé. Donc comme tu as appelé, tu dis encore. Tu dis toujours. Ok. Police! Je vais te demander. Police! Jesse! Police! Je vais te demander. Caporal! Je vais te demander. Police! 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 Attends, une histoire de quoi? La prochaine fois, tu vas plus insulter. Mange ça! Mets ça dans sa bouche! Mange ça! Mange ça! Je te demande de manger! Oui, c'est bon, maman, c'est mange bon! Ça. C'est bon. Mange ça! Mange! Maman, tu l'aimes! Mange! Tu l'aimes! Mange! Tu l'aimes! Mange! 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 Laisse-moi tranquille, c'est bon, 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 c'est bon. Jenny bébé, mon cœur. Combien de fois vais-je t'avertir de te tenir loin de moi? Hein? Combien de fois? Eh où? Tu es lesbienne? Pourquoi devrais-je pas te regarder? Écoute, laisse-moi t'avertir. On n'a pas le même niveau. On n'est pas de la même classe. Aïe. Tu n'es pas de ma classe. Soulaï. Ne me sens plus jamais en route. Est-ce que c'est clair? Tu parles même comme ça à qui? Hein? Tu es qui? Hein? Je vois que ta mère n'a pas du tout appris la bonne manière, n'est-ce pas? Tu es malade? Tu vas être fou pour oser m'assurer au nom de ma mère. Moi, un grand fou. Je vais te montrer maintenant que je suis un vrai fou. Tu es malade? Tu es folle? Voilà. Attends, 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 attends. Ouais, tu peux même poker pour me parler comme ça. C'est malade. Tu as bien fait. Tu as bien fait. Ouais, hey. Tu as comme ça, la veuve grandir, elle vient me parler mal au cran. Tu prends pour qui même ici, non? Alors là-bas. De toutes les façons, ne t'inquiète pas pour ça. Ok. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu pleures? Ce n'est pas ce gars-là. Il mange, j'ai fait. Et toi, appelé stupide mère. Hein? Ma mère? Ils ont osé gifler mon unique fille. Et de ce coup, ils m'ont appelé mère stupide. Jennifer, je te souviens de leur visage. Bien sûr que je connais leur visage. Je connais très bien leur visage. Je les connais. Arrête de pleurer. Elisina, arrête de pleurer. Trouve juste un moyen de les attirer à la maison. Hein? Trouve un moyen de les attirer ici. Quand je te vois, pour qu'est-ce qu'ils se prennent de n'importe quoi là? Quelle est cette histoire, mon unique fille? Personne n'a le droit de taper sur elle. Asya, 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 ne pleure plus. Regarde, regarde, regarde. Cherche moi le moyen de les attirer ici à la maison. D'accord? Alors, viens, vas-y dedans. Oh. N'aime pas ça. Hélène. Ils me prennent même pour qui au juste? Donc, tu n'as pas entendu. Entendu quoi? Il y a un grand problème. Un grand problème, hein. Je dis bien un grand. J'ai entendu notre mari dire à son ami qu'il va prendre une quatrième femme. Et là, ce n'est pas le mensonge. Oh mon Dieu!
Tu l'as entendu dire quoi? Une quatrième femme? Je ne sais pas. Si Valine. Peut-être c'est l'une de ses blagues. Il blaguait. Ah. Tu dis qu'il blague? Dokenawa. Hélène, ce n'est pas une blague. Attends, c'est m'envoie, c'est tout. C'est sérieux. Sérieux? Il ne peut pas être sérieux, non? S'il amène une quatrième femme dans cette maison, je vais allumer un feu qu'on ne pourra pas éteindre. Que même la cigarette qu'on fume là ne pourra pas éteindre ça. Bien. C'est un homme ou c'est une femme? Je ne sais pas. Hey, attendons seulement voir de nos yeux. Quatrième. Et qu'elle vienne préparer la nourriture dans cette maison. Il ne me connaît même pas. Oh, je vais rendre sa vie misérable. Pas misérable, non. Oya Yara. Ngoya. Comme si à Gogoye. Hélène, suis-tu celle qui guérit ta folie? Ou tu es celle qui guérit la mienne? Donc, pardon, arrête de m'insulter. Parce que tu essaies encore un peu. Tu verras ta main. Da, voilà la Gola. Voilà la Gola qui vient. Tu fais comment, da? Gola, tu t'excuses au dégât. Vas-y. Coucou, mon gros bébé. Ça dit quoi, non? Ça fait un bail. Hein? N'aie pas peur, bébé. C'est quoi avec toi? C'est quoi avec toi? Tu vas encore me gifler aujourd'hui? Non, bébé, je suis désolé. C'était pas mon intention de te gifler l'autre jour. S'il te plaît, ne t'énerve pas, s'il te plaît, d'accord? Ok, c'est bon. C'est bon, je te pardonne. Sinon, ça dit quoi alors? Je suis juste en train de partir là-bas au coin de la rue pour trouver quelque chose à manger. Tu veux dire qu'il y a personne à la maison? Non, il y a personne. Pourquoi tu demandes ça? Parce que je me disais que je pourrais venir te tenir compagnie, tu vois, un peu. Parce qu'il n'y a jamais un 201. Alors, comme ça, tes amis et toi, vous pourriez me violer, n'est-ce pas? Non, comment? Je peux pas te faire ça, toi. Je peux pas te faire ça. Mmh. C'était juste une façon de parler. Voilà un peu. Désolé. Ok, d'accord. Mais il ne faut pas que tu dis là-bas. Il ne faut pas que ma mère te trouve là-bas à la maison. Ok, il n'y a pas de problème. Hein? Bon, les gars, hein? J'arrive. Il n'y a pas de souci. J'arrive là. Pourquoi, non? J'arrive. Moi, j'arrive. Ah, ah. Gars, on devait partir ensemble, non? Sors, viens ouvrir la porte maintenant. Toi là-bas, t'es fou. Tu me demandes, tu me donnes, tu me commandes ou bien tu me conseilles de t'ouvrir le portail. Mais pourquoi tu ouvres la porte? Viens m'ouvrir ton nom. Regarde ce fils de pute. Regarde-le. Tu t'es faufilé en solo dans la maison pour venir faire les pion avec la fille de madame. Tu pensais qu'elle n'était pas là, hein? Si c'était moi, je te versais le piment. Moi, n'est-ce pas? Ça pack. Un jour, tu vas grandir et tu auras aussi une fille. Les gens vont sauter la barrière pour venir. Mais ouvre la porte. Tu es malade. Qui va t'ouvrir le portail là? Maman est sur le barreau. Le tonnerre va te frapper ici. Va escalader. Ou alors tu vas dormir là, tu es là. C'est moi qui fais ça, n'est-ce pas? Un air, rien n'a même pas. Va te voir, je vais enlever le fumier que tu as sur la tête là. Je vais m'en sortir. Regarde la fro là. Il escalade même. Chouin. Bien, ma chérie. Oui, bébé. Bienvenue dans ma demeure. Merci beaucoup. Tu es la bienvenue dans ma famille. Waouh. Elles sont très belles. Voici mes trois épouses. Waouh. Oui, elles sont libres, mais nous formons un. Et comme dont tu te joins à nous, tu te joins à nous pour que nous formions un. Ok? Bébé. Voici mes merveilleuses épouses. Elle, c'est Adougo, ma toute première femme. Enchantée de vous connaître, madame. Bienvenue. Merci. Ok. Elle, c'est Hélène, ma deuxième femme. Salut. Salut. Sylvéline est ma troisième épouse. Enchantée de vous connaître. Adougo. Queen que voici est ma nouvelle épouse. Je vous ai bien dit que j'allais prendre une nouvelle épouse.
Elle, c'est Queen, ma nouvelle épouse. Encore une fois de plus, bienvenue. Merci beaucoup, maman. Voici Queen, ma nouvelle épouse. Je m'appelle Helen. Je suis enchantée, maman. Silverine? Silverine? Elle, c'est Queen, ma nouvelle épouse. Félicitations pour ta famille. Elles sont toutes belles. D'accord. Queen va désormais rester avec nous et j'aimerais que nous lui donnions le maximum de coopération. Si elle a besoin de quoi que ce soit, s'il vous plaît, aidez-la pour qu'elle se sente plus à l'aise dans cette maison. Et faites qu'elle devienne l'une de nous. Ok. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-moi savoir. Je sais. Je suis. Une fois de plus, bienvenue chez toi. Quelle maison? Hé, arrête ça. Okay. Qu'est-ce que tu fais? Je suis désolée. Enchantée de vous connaître. Je suis une très bonne personne. Avec le temps, on se connaîtra et très facile à vivre. Je promets de vous respecter. Je vous aime. Je sais que tu es une femme très calme. Je vais te montrer. Hé, toi! Quoi? Comment une jeune fille comme toi peut décider d'épouser un homme qui a trois femmes? Jennifer, tu es en train de me flatter? Je veux dire, c'est la maison de ta mère. Oh, allons, tais-toi là-bas. Et tais-toi toi-même. N'essaye plus jamais de mentionner le nom de ma mère. Tu es stupide. Oui. Oh mon Dieu, Jennifer. 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 Laisse-moi t'expliquer. Je ne suis pas comme cette fille, hein, qui adore ta mère et la vénère comme une déesse. Attends. Attends juste un peu. Je vais utiliser mes entrailles pour accoucher à notre beau mari et mon bébé. Et on verra entre nous deux qui sera favori. Tu vis dans tes rêves. Hein? Quelle entraille? Ces entrailles. Je suis vraiment désolée de te décevoir. Parce qu'il n'y a aucune entraille là-dedans. Quoi? Tu es stupide? Jennifer, tu es malade? Comment oses-tu parler à ta belle-mère de cette façon? Belle-mère m'a fait, c'est ça. Toi? Oui. Ma belle-mère. Yeah. Tu n'es pas sérieuse, n'est-ce pas? Alors laisse-moi te dire, tu peux encore être la femme de mon père, mais tu ne seras jamais ma belle-mère. Oh vraiment, Jennifer, je suis désolée pour toi, parce que c'est déjà trop tard. Je suis ta belle-mère, la décision a été prise, il n'y a rien d'autre que tu puisses faire. Sans du Saint-Esprit. Retourne à l'envoyeur. N'importe quoi. Mince. Ça doit-il continuer comme ça? Attends. Toi, cette fille, attends-moi. Quand j'aurai fini avec toi, tu verras de quoi je suis capable. N'importe quoi. Mais ça devient quoi finalement? Ah ah, qu'est-ce qui se passe avec la nourriture? Pourquoi tu prends du temps pour me l'apporter? Mon mari. J'ai versé la nourriture. Quoi? Tu as versé la nourriture? Oui. Pourquoi? J'ai vu que l'eau ne coulait pas dans la concession et je suis allée chercher de l'eau. Quand je suis revenue, j'ai trouvé que quelqu'un avait versé de l'eau dans la nourriture et quelques déchets de cuisine dans la nourriture. Alors, j'ai trouvé mieux de verser la nourriture. Attends une minute. Donc tu ne me crois pas? Enfin, ne me dis pas que tu crois que je suis en train de te mentir. Pourquoi? Mais tu dois me croire. Qui a bien pu faire ça? Chérie,
For the girls, they dance galala. For the students, they cross casala. For this dance, you don't do shagara. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, like a to your heart, to the road, ayo ya, to the back, skele, 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 when they see me around, they just got that in us like I only have to go. We 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 have to go. For this dance you don't do shagara. Hey, oh, you don't do shagara. Shagara, shagara, shagara. To your heart, to the rock. Ayo, ya, to the back. Skele, 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 skele. Que ça veut dire? Ma chère, on ne fait pas ça ici. Ça met tout le monde mal à l'aise. Femme, pour la bêtise que tu viens de faire, je te pardonne. Mmh. Pourquoi? Parce que cette journée est une très belle journée. Si prochainement tu refais ça, je vais te montrer de quoi je suis capable. N'importe quoi. C'est à moi que tu parles? Ou à quelqu'un d'autre? Mmh, non, c'est à moi que je parlais. Bien sûr que c'est à toi que je parle. Ou tu n'es plus une femme. Chinique, mais... Ah, je comprends. Ou soudainement, tu es devenue sourde. Et c'est à moi que tu parles de cette manière? Tu es sourde? Ah. Ferme-la! Ah. Comment oses-tu frapper la fiancée de ton mari? Je le ferai encore! Ah. Hein? Viens! Viens! C'est ça que tu veux? Viens! Viens comme tu veux te mesurer à moi. Idiote! C'est quoi cette pembèche? Villageoise! Ah, ah. Tu es malade! Tu es vraiment malade. Elle s'emmène d'où cette villageoise. Cinglée. Oh, Queen. Tu souffres. Si la prochaine fois que tu essaies de refaire ça, je vais te montrer ce que tu cherches. C'est même quoi ça? Sérieux, tu dois parler à ta femme, Sylvana. Je vais dire, elle est toujours là à me chercher les problèmes. Tout ce que je fais, elle va toujours dire, non, Queen, tu ne fais pas ça bien. Elle trouve toujours que je ne fais pas ça bien, je suis fatiguée. Qu'elle me laisse tranquille. Tu sais que tu es nouvelle ici et bien sûr que ce sont les petites épreuves par lesquelles tu dois passer pour que tu puisses t'habituer à tout le monde. Vraiment? Mais je vais résoudre ça moi-même. Bien. Okay? Bébé, tu dois vraiment leur parler. Je le ferai. Ça là-même, ce n'est même pas grave. Jennifer, je suis fatiguée, épuisée d'elle. Je veux dire, cette fille est une fauteuse de trouble. Mon Dieu! Chaque jour, elle est là, mais chercher le problème. Chaque fois que j'ai les problèmes, je suis épuisée, fatiguée. Parle-leur. Il faut les parler. Tu vois, je suis fatiguée. Bébé, je suis vraiment fatiguée. Ça, tu vois, ça va. Chérie, laisse-moi te dire. Sache que la personne que tu devrais regarder, c'est moi. Je sais. Fais l'effort de fixer ton mari, ok? Je sais très bien. Ne les laisse pas te distraire. Ressaisis-toi. Laisse-les tranquilles. Concentre-toi sur ton mariage uniquement. Et je vais résoudre tous ces problèmes comme je te l'ai promis. Ne t'inquiète même pas. Ok. Vraiment? Je le ferai. Bébé, je t'aime beaucoup. Bébé. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Elles me frustrent. Elles ne vont pas te frustrer. Mon Dieu, mon défenseur. Elles ne vont pas te frustrer. Je vais gérer tout ça, ok? Prends soin de moi. Ne t'inquiète pas. Ça, c'est mon bébé. Ne t'inquiète pas. Je vais leur parler, d'accord? Sylvana! Laisse-moi tranquille, Sylvana, laisse-moi. Sylvana, tu ne veux pas me laisser. Sylvana. Sylvana, si je me lève, je vais te tuer. Je vais te tuer. Aujourd'hui, je vais te montrer. Je vais te montrer. Laisse-moi. Même si ce n'est pas la fin, je vais poser notre mari. Hey, Sylvana. Jennifer, laisse-moi tranquille. Je ne veux plus le mariage. Je ne sais pas que tu vas partir. Regarde, ne quitte pas cette maison. Ne quitte pas cette maison. Laisse-moi tranquille, c'est pas la force. Je ne veux plus le mariage là. Tu ne veux plus être mariée. Non. Toi, Queen. Bah non.
Tu dois être mariée. Je ne veux plus me marier. Ah, je ne veux plus le marier. Laisse-moi te dire. Tu vas manquer à mon père. Ah, manquer quoi ton père? Il est ta mère. Jésus. Et les autres femmes. Je ne veux plus de ça. Regarde ma face. Écoute, regarde ma tu face. Tu vas mieux de revenir. Et c'est à cause de cette petite blessure que tu es en train de fuir le mariage. Je ne veux plus me marier. Je ne veux plus de ce mariage. Non, 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 non. Ne fais pas laisse-moi ça. Laisse-moi tranquille, je pars. Hey, alors tu fuis. Tu ne veux plus le mariage. Hey, non, je ne veux plus de ce mariage. Hey, tu vas nous manquer. Oh. Pauvre petite idiote. Demi ou ka monde ou voir. Chia. Mon cri cri d'amour. Oh. Un verre de sirop. Attends d'abord. J'ai retrouvé mes esprits. Pourquoi tu es venu ici? Hey, hein? Je suis venu voir mon mari. Tu es venu voir quel mari? Hein? Je n'ai même pas appelé, je n'ai rien fait, rien du tout. Et tu portes mal tes valises comme ça, tu viens. Est-ce que tu m'as d'abord averti? Non, tu as faim du mariage comme ça. Et pourquoi tu me dis tout ceci? Calme-toi, non. Pourquoi tu racontes tout ceci, hein? Moi, je t'aime, hein? Je t'aime beaucoup. Tu es mon homme. Et toi, tu m'aimes pas à force. Comment tu peux me dire que tu m'aimes? Tu me pointes déjà, tu me dis que je t'aime. Ok, d'accord. Pour dire quoi? Je suis désolée. Hein, c'est mieux. Parle avec douceur. Douceur, non. Hein? Tu dis que tu m'aimes. Tu vas m'épouser. Tu connais combien mon salaire est? Tu as aussi réfléchi, non? Ce n'est pas ce qu'on dit que lorsque vous portez tous les cheveux là, ça couvre votre tête, ça couvre votre cerveau, vous ne réfléchissez plus. Hein? Combien est-ce que je gagne par mois? Hmm? J'ai un très petit salaire comme ça là. Je dois t'épouser. La dot, je ne sais même pas où je vais prendre l'argent là, je ne sais pas. Je ne sais même pas comment je vais faire pour payer ta dot là. Après ça, comme tu viens chez moi là, tu es encore blanche. Quand tu vas rester, tu vas devenir noire. Sérieux? Comme je te vois là, tu es très belle. Si je te vois rouge, je peux te siffler. Donc tu penses que j'aurai tout l'argent pour t'acheter tous ces crayons que tu mets aux yeux, au nez, aux lèvres, aux cou là. Tous ces ongles de mamie Wata que tu portes, les lentilles. Tu vas porter les lentilles maintenant, tu tombes, tu te casses le pied, c'est moi qui vais encore t'amener à l'hôpital. Je n'ai pas une telle valise, personne dans ma famille n'a une telle valise. Je n'aime pas ce genre de choses. Oh, mais dépêche-toi, allons-y. Vite. Viens là, dépêche-toi. Qu'est-ce qui ne va pas avec je toi? Je suis pas tu prêt, tu sais, non? Pas dans la chambre, c'est comme ça qu'elle va te pomper la grossesse. Allez, ouvre ta chambre. Hein? Je t'aime, bébé. Moi, allez, je n'aime pas ce genre d'amour qui est comme ça. Allons, bébé, allons-y. L'amour d'amour, je n'ai rien. Tu veux vraiment aller à l'intérieur? Allez, ouvre la porte. La porte est déjà ouverte, non? Oh, elle est déjà allons-y. Ouverte. Allons-y. Maman. La première femme est toujours calme. Et toi, tu les cherches toujours les problèmes. Mais pourquoi? Love, veux-tu connaître pourquoi je fais les problèmes avec la première femme? Parce que ton père lui donne plus d'attention que nous autres. Hein? C'est pas juste, non? Aucune femme ne va aimer ça. C'est pour cette raison que je fais les problèmes avec elle. Et chérie, honnêtement, je ne suis pas le genre de mère que tu crois que je suis. Je ne suis pas méchante. Je fais le problème avec elle tout le temps pour la chasser auprès de moi et qu'elle ne m'intimide pas. C'est une barrière que je mets autour de moi et selon elle, je suis méchante. Je suis d'accord avec. Si ça peut la chasser auprès de moi. Bon, maman, et la mère de Junior? Celle-là, elle n'a pas un problème. Elle n'a pas un problème. C'est une bonne personne. C'est juste que son corps gratte de gauche à droite. Oh, il y a Takasia. N'a poire.
Je vais la maîtriser. Maman, pourquoi tu traites les enfants comme ça? Est-ce qu'ils t'intimident aussi? Lovette, n'importe. C'est comme si tu deviens stupide. Est-ce à cause du jus que je t'ai donné? Maman. Non, ne m'appelle pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, maman. À la santé. À la santé, pourquoi? Pour ton examen ou pourquoi? Reviens ici, Lovette. Reviens ici. Reviens ici. Je veux que tu reviennes ici. Reviens ici. Je te cherche aujourd'hui. Calme-toi. 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 Un peu d'énergie pour pleurer. Bro, tu es encore là? Donc c'est vrai. Donc c'est vrai qu'elles ont tué ma mère. N'est-ce pas? Ces femmes ont tué ma mère. Où sont-elles? Je ne sais pas. Où sont ces sorcières? Où sont-elles? Réserve toute ton énergie jusqu'à. Elles sont allées rendre visite à ta mère à l'hôpital. Elles sont allées inaugurer la première visite. Donc, où sont-elles? Où sont-elles? Où sont ces femmes? Où sont-elles? Ne te fâche pas, quand elles vont revenir, tu vas les tuer. Viens t'arranger avec les pleureurs. Les pleureurs ont faim. Je suis désolée. Je suis désolée. Pardonne-moi. Je suis vraiment désolée. Papa, s'il te plaît, pardonne-moi. Bien. Je ne peux que vous dire merci, merci à vous toutes, merci à vous toutes. Je ne peux que vous dire merci, merci, merci pour avoir tué ma mère. Parce que c'est vous toutes qui avez tué ma mère. Vous l'avez tuée. Et je sais que je suis la prochaine personne. Mais vous voyez, vous ne pouvez pas tuer ma mère et me tuer aussi. Parce que ma mort ne dépend pas de vous. Personne de vous ne peut me tuer. Papa, s'il te plaît, nous sommes désolés. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je suis celle qui est supposée apporter la paix dans cette famille. Mais j'ai échoué à mon devoir. Tout a commencé quand j'étais malade. Je suis allée à l'hôpital. Le docteur a dit que je dois le faire pour vivre. Et que je n'avais que 2 semaines pour vivre. Et soudainement, je n'avais plus que 4 jours pour vivre. Et la seule façon pour vivre, c'était la violence. Et c'est comme ça que ça a commencé. Bien, jeune homme, j'aimerais parler à ta mère en aparté. Donc, s'il te plaît, si tu pouvais nous excuser. S'il vous plaît, docteur, accordez une grande attention à ma mère. Ok, je le ferai. Ok, maman. Oh, tiens-toi bien. Ok. Ok, merci. Ok, bien. Madame, à ma connaissance, jusqu'à ce moment, nous n'avons pas encore d'idée sur votre réelle souffrance. Non, docteur, je ne connais pas.
madame. Oui. Vous êtes une femme très heureuse et très simple. Vous ne vous engagez pas dans des choses qui vous rendront pas heureuse. Et cela vous affecte. Je ne comprends pas. De quoi est-ce que vous êtes en train de parler? Madame, je m'attends à ce que vous sachiez, en fait. La vérité, c'est que vous êtes vraiment souffrante. Eh bien, maintenant, qu'est-ce que vous voyez? 30 ou 42. Bien. Pour une personne normale, ça doit être 80. Et ce que nous avons là, c'est 50. Cela voudrait dire que vous souffrez d'une hypotension artérielle. Comment ça? Quoi? Yep. Est-ce que je peux avoir ça? Bien, madame. Nous avons là les tests des examens que vous avez faits dans l'autre hôpital. Et c'est marqué ici. Ce qui signifie que vous souffrez d'une hypotension artérielle. Docteur, honnêtement, je ne comprends pas de quoi vous parlez. Vous voyez, madame, selon mes propres résultats, vous avez une tension artérielle. Ce qui signifie, madame, vous n'avez plus que 3 jours à vivre. Quelque chose comme ça. Docteur, à Dieu ne plaise, ce n'est pas ma portion. Amen. Nous avons juste une seule solution pour résoudre ce problème. Laquelle? Madame, vous devez vous mettre à la violence. C'est la seule solution. Ou alors vous allez mourir et laisser vos enfants tout seuls dans la souffrance. Qu'à Dieu ne plaise. Qu'à Dieu ne plaise. C'est ça. Et comment se fait-il que personne ne m'ait informé? Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela? Jennifer est au courant de ça. Oui, papa. Oh, Jennifer, toi aussi. Tu le savais et tu me l'as caché dans ma propre maison. Ça va. Nous sommes désolés, s'il te plaît. Ça va, puisque c'est difficile pour vous de m'expliquer quelque chose dans ma propre maison. Lorsque vous arriverez au poste de police demain, vous allez bien vous expliquer aux policiers. Nous sommes désolés. Nous sommes désolés. Come see what's in a day.